qu'on fasse un. C'est terminant. Et voilà parti donc pour cette épreuve avec tout de suite la page de Mastery qui s'est emparée du commandement et qui après un excellent départ Versailles du Typhonce vient tout de suite lui mettre la pression à l'extérieur et prend l'avantage. Versailles du Typhonce qui a pris l'avantage à page de Mastery est en seconde position alors qu'Irish Coffee est en troisième position. On est en quatrième position un petit peu plus loin avec Daylight, c'est Superman qui est à distance et qui ferme la marche du peloton actuellement. Les concurrents sont à la sortie du tournant, vont aborder la phase finale de l'épreuve dans quelques instants et on va tenter de le faire de bout en bout avec la page de Mastery avec Versailles du Typhonce qui va tenter de venir l'attaquer en pleine piste à l'extérieur. On est plus côté corde avec Cerise Colomba et on va tenter de regagner des rangs à l'extérieur, notamment avec Irish Coffee. Les concurrents sont maintenant à moins de 100 mètres du disque final avec en pleine piste Versailles du Typhonce qui fait parler la classe et qui a semble-t-il pris l'avantage, même si côté corde Cerise Colomba se ressaisit bien le long de la corde et lui donne une bonne réplique. Aux abords du poteau sera très serré maintenant avec à l'extérieur Versailles du Typhonce et Cerise Colomba. Mais ça sera très serré aux abords du poteau entre Versailles du Typhonce, le numéro 2, et Cerise Colomba côté corde. On est 3ème avec Irish Coffee, on est 4ème avec Apache de Mastery, on est 5ème avec Daylight et on est 6ème avec Superman. On peut les encourager et encourager Superman qui termine son parcours actuellement.